التقى السيد الرئيس Le عبد président الفتاح Abdel Fattah السيسي في el-Sisi مقر a إقامته rencontré au siège السيدة de sa أنالينا résidence بيربوك Madame الوزيرة Annalina Baerbock, الاتحادية للشؤون la الخارجية ministre بجمهورية des ألمانيا Affaires الاتحادية. étrangères en Allemagne. العلاقات المصرية الألمانية لا تقع في خانة العلاقات الروتينية بين الدول ولكنها علاقة نوعية متطورة تكشف هذا الإيمان بين الدولتين في كل منهما La croyance des deux pays en matière de développement et à la lumière des pas entrepris par le président Abdel Fattah el-Sisi, ces pas sont des éléments importants pour renforcer la coopération entre l'Égypte et le Caire et Berlin depuis des décennies. Aussi, les plans de développement de l'Égypte ont tendu les mains avec les partenaires allemands pour coopérer, y compris la production de l'hydrogène vert et le train rapide et l'économie verte. Et le gouvernement allemand a soutenu les efforts égyptiens pour bâtir un État moderne et en coopération avec des pays. Et ceci fait partie du plan égyptien pour avoir une coopération étroite avec des pays européens, y compris l'Allemagne, pour parvenir à la lutte contre le terrorisme. Le rapprochement égypto-allemand sont incarnés par cette année de travail. Travail en conjoint entre Angela Merkel, la chancelière allemande, et le président Abdel Fattah el-Sisi, une divergence qui était le fruit d'une divergence de vues concernant les cas et les d'intérêts communs ou les problèmes d'intérêts communs et concernant les sujets d'intérêt
communs locaux et régionaux. Cette rencontre a été traduite ou interprétée par une coopération depuis 2015, 2017, 2018 et 2019. C'était des rencontres avec Angela Merkel qui a visité l'Égypte en 2019 et ils se sont rencontrés lors de rencontres, y compris la réunion des 20 au Japon et les 7 grands pays industrialisés à Paris et aussi les deux pays ont témoigné d'échanges de visites entre les hauts fonctionnaires entre les différents les deux pays. Scholz croit énormément en l'importance des relations entre l'Égypte et Berlin et il a échangé les points de vue et les visites avec le président Sisi et des réunions par vidéoconférence et grâce à ces concertations, il y avait une rencontre, il y a eu des projets et des accords avec Siemens pour la construction du train rapide et des voitures électriques, une coopération étroite et enracinée entre l'Égypte et l'Allemagne pour parvenir à un développement et un échange commercial et économique. Exprimer au conseiller chancelier Scholz la disposition de l'Égypte de coopérer avec l'Allemagne en matière d'énergie, que ce soit l'exportation du gaz naturel pour l'Allemagne et à l'Europe. Les relations égypto-allemandes sont des relations historiques et stratégiques basées sur des partenariats réussis entre les différents pays dans les différents domaines. La rencontre ou la visite, la première visite du président de Fatah Sisi en Allemagne en 2016 a ouvert la porte des divers échanges à l'avenir atteignant d'autres secteurs comme l'énergie, le transport, le changement numérique et l'énergie. En 2022, cet échange commercial est atteint 5,2 milliards d'euros et les investissements allemands en Égypte sont au taux de 2,19 milliards de dollars et l'Égypte est devenue le troisième plus grand partenaire au Proche-Orient avec l'Allemagne et aussi les relevés du secteur des statistiques en Égypte a démontré qu'il y avait une augmentation du taux d'exportation des produits égyptiens durant 2021 face à 641 millions de dollars en 2020 avec un taux d'augmentation de 1,31,10%. Durant le mois de mai dernier, les deux pays ont témoigné d'un événement historique. Et, étant donné que les deux pays ont signé un accord avec l'entreprise Siemens pour la création de la fabrication du train rapide et la création de réseaux avec des taux de 2000 km de long, avec un taux de 60 stations pour faire ainsi de l'Égypte que l'Égypte sera le sixième pays ayant ce train très rapide en Égypte. L'Égypte considère ce partenariat avec l'Allemagne en tant qu'un axe essentiel de coopération avec l'Europe, étant compte tenu de l'importance de l'Allemagne en tant que pays européen, un grand pays européen. Et ceci est reflété par notre partenariat avec l'Allemagne et grâce au plan ambitieux de l'Égypte. C'est une visite réussie et importante du président de Fatah Sisi en Allemagne et cette visite Egypt opens up to the world. President Abdel Fattah Sisi